bonjour pour ce nouvel épisode de Terra Découverte. Aujourd'hui, nous sommes à Bormes-les-Mimosas. Je vais vous faire une visite de ce magnifique village médiéval. Ensuite, on ira à la chapelle de Constance. On montera aux environs de 300 mètres de hauteur. Et la petite surprise, on ira voir le bunker allemand où ils se réfugiaient pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est parti! Voilà, ces voûtes que l'on voit s'appellent les cubères. Il y en a pas mal à Bormes-les-Mimosas. On trouve aussi beaucoup de heurtoirs. Nous allons quitter Bormes-les-Mimosas et nous allons monter vers la chapelle de Constance, un très beau chemin de croix jalonné de plusieurs oratoires. Thank you.
Et voilà, c'est l'heure de la pause pique-nique. Reste avec nous, parce que juste après le pique-nique, on va direction la grotte bunker des Allemands. Là où ils dormaient, vous verrez les dortoirs. Voilà, Fripu aussi fait sa petite pause déjeuner. Et regardez cette vue. Restaurant panoramique. Alors, ce qui est génial en randonnée, c'est d'avoir toujours un thermos pour se servir un bon café, tout chaud. Avec une vue magnifique. On peut apercevoir ici les traces de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça Terra Découverte. Vous avez vu le magnifique village de Bormes-les-Mimosas. On a fait le chemin de croix pour monter à la chapelle de Notre-Dame de Constance avec la vue là-haut des 324 mètres magnifiques. Et maintenant, eh bien, un endroit que pas beaucoup de gens connaissent, quelque part dans la colline, je ne vous dis pas où, un bunker allemand, c'est ici, là-dedans, eh bien, qu'ils allaient dormir. On va aller dans les dortoirs. Prêt ? C'est parti. Voilà, nous rentrons dans le bunker. Hein. Là, ça fait vraiment rote. Donc, tout ça fait par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors on peut apercevoir dans les parois bien ce morceau de bois. Là on voit en bout qu'il y avait du... Et ça mène à une autre sortie. Les émotions d'un terrain découvert. Nous laissons la chapelle Notre-Dame de Constance et le bunker allemand et nous allons redescendre vers Bormes-les-Mimosas.
La boucle est bouclée. S'achève cet épisode de Terra Découverte avec derrière moi ce magnifique village de Bormes-les-Mimosas, pour moi un des plus beaux villages du Var. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, hein. N'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je compte sur vous pour augmenter le nombre d'abonnés de ma chaîne. Bisous, à bientôt pour une prochaine aventure de Terra Découverte. Odia.com.